These people speak French. In this course, everybody speaks French. Commençons par mes parents. Don't be concerned if you can't understand what they say at first. Voilà mon père et ma mère. Listen, watch, and get involved. Voilà. Pretty soon you will figure out what's going on. Mon Dieu. And be able to say a few things in French yourself. Ouais. After the after-dinner drinks, everyone says goodnight except Mireille and Robert. They decide, after consulting the entertainment guides, to see the film Love in the Afternoon the following day, in the afternoon. They arrange to meet at a cafe near the movie theater. Jeudi soir, chez les Bellots, le repas se termine enfin. Et si nous passions au salon? C'est une très bonne idée. Vraiment, c'est délicieux. Vous voulez une menthe, un tilleul? Non, merci. Non, merci. Et toi, tu prendras ton infusion? Oui, s'il te plaît. Vous désirez peut-être un alcool, Monsieur Taylor? Ah, oui, éventuellement, oui. Oui. Je vais voir ce que j'ai. Hein. C'est joli, cette peinture. C'est de quelqu'un de la famille? Oui, c'est le tante Georgette. Du Grand Marnier et du cognac. Colette, vous... Un petit Grand Marnier. Au Grand Marnier. Merci. Oh, là, Mireille, tu prends quelque chose? Oui, moi aussi, un Grand Marnier. Grand Marnier. Monsieur Taylor. Un Grand Marnier, s'il vous plaît. Aussi. Oui, il faut goûter, c'est très très bon, vous allez voir. Hubert, vous... Non, je préfère du cognac, si vous permettez. Il est très bon. Mmh. Très très bon. Merci. Voilà. Merci, merci. Bon, merci bien. À votre santé, moi je ne prends rien. Ah. Eh bien, votre santé est... Tu veux un alcool, chérie? Je lève mon verre tout particulièrement. Qu'est-ce que tu veux, du grand mari, maîtresse de maison? Un cognac. Ah oui, il est... Oh! Ah, il est très... Très, très bon. Tiens. Voilà. C'est assez fort, hein? Oui, de... Oui. Il se fait tard. Tu as vu l'heure qu'il est, Marie-Laure? Oui. Allez, au lit. Tout de suite. Dis bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Marie-Laure. Ah. Oh. Bonsoir, la question. Bonsoir. 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 Bonsoir, ma grande. Tu viendras me dire bonsoir? Oui, dépêche-toi. Après avoir embrassé ses parents, Marie-Laure est allée se coucher. Colette est partie vers 23h pour retourner à Provins. Oh là là, 11h. Il faut que je me sauve, je vais rater mon train. Au revoir, Hubert. Au revoir. Au revoir, Robert. Bonsoir. Bonsoir. Salut. Bonsoir, Mireille. Je t'appelle. Ok. Bonsoir, monsieur. Au revoir. Au revoir, bonsoir, Colette, madame. À bientôt. Merci beaucoup. Monsieur et madame Bello se sont excusés peu après. Je crois que nous ferions bien d'aller nous coucher. Oui, excusez-nous, nous avons pris l'habitude de nous coucher tôt. Bonsoir, madame. Des hommages et merci. Dormez bien. Bonsoir, j'espère que nous ne vous avons pas trop fatigué. Quel délicieux repas. Bonsoir. Maman, tu me réveilles demain matin avant de partir? Oui, ma chérie. Bien. Bonsoir, merci. Bonsoir, bonsoir, Hubert. Monsieur. Enfin, Hubert prend congé. Il est plus de 23 heures. Bonsoir, oui. Parce que je vais partir moi aussi. Toi aussi. Alors, on se téléphone? Monsieur. Bonsoir. Robert et Mireille restent seuls. Je suppose qu'il est trop tard pour aller au cinéma maintenant. Oui, j'en ai peur. Mais tu veux qu'on y aille demain, en matinée? Demain matin? Non, en matinée, l'après-midi. Ouais, si tu veux.
Qu'est-ce qu'on va voir? Je ne sais pas. Tu vois un pariscope par là? Qu'est-ce que c'est? C'est comme l'officiel des spectacles. Tiens, en voilà un. C'est un programme des spectacles. C'est théâtre, danse, cinéma, exposition, concert, enfin tout. Ça donne tous les films qui passent à Paris. Classés par quartier et par genre. Par genre? Parce qu'en France, même les films sont masculins ou féminins. Oh, fais pas l'idiot. Je veux dire qu'ils sont classés en films d'aventure, en western, comédie dramatique, drame psychologique, comédie musicale, érotique, dessin animé. Et il y a même un petit résumé de chaque film. Ah bon? Qu'est-ce que tu vois d'intéressant? Voyons ce qu'on donne cette semaine. La cérémonie de Nagisa Oshima, version originale. Comment est-on japonais? Un peu rouillé. Quoi d'autre? Le détachement féminin rouge, version originale chinoise. Le grand silence, yougoslave. Sois sérieuse, il faut que je puisse comprendre. Oh, mais il y a toujours des sous-titres. Tiens, trash, américain. Tu crois que tu comprendrais? Oh, mais ça va pas, c'est interdit au moins de 18 ans. Ouais, c'est arrête, ça suffit comme ça. Au sud, de toute façon, c'est celui de la semaine dernière. Et alors? Et alors, c'est plus bon. Les programmes changent toutes les semaines. Alors, on va regarder sur le Minitel. Tiens, on passe l'amour l'après-midi au 14 juillet Parnasse. Ah, ça, c'est un beau titre. Ça doit être très instructif. Oh, tu sais, j'ai peur que tu sois déçu. C'est un des 6 contes moraux de Éric Rohmer. Ça ne fait rien. Ça doit être très intéressant. Allons voir ça. Tu veux qu'on y aille? Oui. D'accord. Alors rendez-vous à 13h30 à la terrasse de la Rotonde. C'est juste à côté. Tu n'auras qu'à prendre le métro, descendre à Vavin. C'est juste en face. Tu ne peux pas te tromper. Bon, entendu. Alors, à demain, à... Comment tu dis? À la Rotonde, boulevard Montparnasse, métro Vavin. D'accord, à la Rotonde, à 13h30. Je te raccompagne. Bon, allez, bonsoir. Le bouton de la minuterie est là, à droite. Tu vois? Où ça? Là, la petite lumière. Là? Tu as 2 minutes pour descendre. 2 minutes? Pourquoi ça? Il faut que je descende en 2 minutes? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ben oui, quand tu appuies sur le bouton, la lumière reste allumée 2 minutes et puis elle s'éteint. On a l'habitude de l'économie en France. Il faut que tu comprennes ça. Ils sont fous, ces Français. Mais non, nous ne sommes pas fous. Nous économisons l'énergie. Bon, allez, dépêche-toi, ça va s'éteindre. Bonsoir. Bonsoir. Oh, zut. Nous sommes après le dîner. Après le dîner, il y a des gens qui prennent du café et quelquefois des alcools comme du cognac, de l'armagnac, de la poire, de la framboise ou des liqueurs. Monsieur et Madame Bello ne prennent pas d'alcool ni de liqueur. Ils ne prennent pas de café non plus, ni de thé, parce que ça les empêche de dormir à cause de la caféine. Ils prennent une infusion, une tisane, du tilleul par exemple, ou de la verveine. C'est bon le soir, au moment de se coucher, parce que ça fait dormir. Il se fait tard, il commence à être tard. Il se fait tard. Madame Bello envoie Marie-Laure se coucher. Elle l'envoie au lit. Tu as vu l'heure qu'il est, Marie-Laure? Oui. Allez, au lit, tout de suite. Ici, Robert est couché. Il est au lit. Ici, Mireille est couchée. Elle est au lit. Elle est malade. Ici, Marie-Laure est couchée.
elle est au lit. Monsieur et Madame Bello aussi vont aller se coucher. Je crois que nous ferions bien d'aller nous coucher. Oui, excusez-nous, nous avons pris l'habitude de nous coucher tôt. Ah, je suis crevé, moi. Je vais aller me coucher. Bon, eh bien, tout le monde va se coucher. Allez, tout le monde au lit. Bonsoir, tout le monde. Bonsoir. Bonsoir, ma grande. Dors bien. Bonsoir, madame. Des hommages et merci. Dormez bien. Tu viendras me dire bonsoir? Oui, dépêche-toi. Bonsoir. Maman, tu me réveilles demain matin avant de partir? Vous allez dormir là. Hein? Là. Voilà. Ce serait très bien. Bonne nuit. Mireille veut que sa mère la réveille. Regardez Jean-Claude ici, il s'endort. Et regardez le grand-oncle Casimir, il s'endort. Regardez Marie-Laure, elle dort. Regardez Robert, il se réveille. Une tasse de café. Oh oui, je veux bien, ça me réveillera. Maintenant, regardez le petit garçon, il va réveiller son papa. Réveille-toi, tu vas être en retard. Et ici, c'est la maman qu'on réveille. Maman, c'est pour toi, Cécile. Elle a dit qu'il fallait te réveiller. Oui, allô, Cécile, qu'est-ce qui arrive? Oh, mais quelle heure il est? Midi 10, mademoiselle. Oh, venez dans une heure. Les Bellos ont pris l'habitude de se coucher tôt. Oui, excusez-nous, nous avons pris l'habitude de nous coucher tôt. Ils ont pris l'habitude. Tous les soirs, ils se couchent tôt. Mireille a pris l'habitude d'acheter son journal chez Madame Rosa. Tous les matins, elle achète son journal chez Madame Rosa. C'est une habitude. Et vous vous rappelez, Marie-Laure, elle a une mauvaise habitude. Elle devrait perdre cette habitude. Ah, arrête! Tu vas perdre cette habitude? Et toi, tu vas perdre l'habitude de m'embêter? Colette s'en va vers 23h. Oh là là, 11h. Il faut que je me sauve. Elle se sauve. Vous vous rappelez, Jean-Pierre? Je me sauve. Je me sauve. Hein. Et Mireille? Excusez-moi, je me sauve. Elle dit aussi, je file. Oh là là, excusez-moi, je file. Je vais être en retard. Au revoir. Colette s'en va pour retourner à Provins. Elle rentre à Provins. Excusez-moi, mademoiselle. Vous vous rappelez que Robert a rencontré Mireille dans la cour de la Sorbonne? Bien, le lendemain, il est retourné à la Sorbonne. Il y est revenu. Hubert prend congé. Il s'en va. Je vais partir, moi aussi. Toi aussi? Oui, je vais prendre congé. Alors, on se téléphone? On se téléphone? Tu me téléphones? Je te téléphone? Allô, c'est toi, Guylaine? Mireille téléphone à Guylaine. Elle lui téléphone. Allô, c'est toi, Guylaine? Elle appelle Guylaine, elle l'appelle. Elle l'appelle, elle lui téléphone. Robert n'est pas content parce qu'il est tard. Il est trop tard pour aller au cinéma. Je suppose qu'il est trop tard pour aller au cinéma maintenant. Oui, j'en ai peur. Mais tu veux qu'on y aille demain, en matinée? Tu veux qu'on aille au cinéma demain? Est-ce que Mireille dit qu'ils vont au cinéma? Non, elle ne dit pas... On y va. Elle dit, tu veux qu'on y aille. Elle propose une possibilité. Elle parle de la possibilité d'aller au cinéma. Elle ne dit pas qu'ils y vont. Tu veux qu'on aille au cinéma? Aille, c'est une forme du verbe aller. C'est le subjonctif du verbe aller. Nous connaissons déjà l'impératif qui donne un ordre. Allons au cinéma. Nous connaissons l'indicatif qui indique un fait, une action réelle. Nous allons au cinéma. Et voilà maintenant le subjonctif qui parle d'une action sans indiquer qu'elle est réelle. Tu veux qu'on aille au cinéma? Tu veux qu'on aille au cinéma n'indique pas qu'ils y vont, qu'ils y sont allés ou qu'ils iront. Tu veux qu'on aille au cinéma parle seulement de la possibilité d'aller au cinéma. Robert et Mireille veulent aller au cinéma. Bon, très bien. Mais où vont-ils aller? Qu'est-ce qu'ils vont voir? Qu'est-ce qu'on va voir? Je ne sais pas. Ça dépend de ce qu'on joue en ce moment. Tiens, qu'est-ce qu'on joue au ciné-club ce soir? Ça dépend de ce qu'on passe.
Il y a plusieurs moyens de savoir ce qu'on passe. Le moyen le plus moderne pour avoir les programmes, c'est le Minitel. Et puis, il y a les publications spécialisées, comme Pariscope, l'Officiel des spectacles, etc. Si vous voulez aller au cinéma, qu'est-ce que vous consultez pour avoir les programmes ? Les journaux. Je consulte les journaux. Quels journaux ? Les journaux de spectacle. Par exemple ? Pariscope. Le Pariscope. Ça donne tous les spectacles. Le théâtre, toutes les pièces de théâtre qu'on joue à Paris en ce moment. La musique, tous les concerts de la semaine. La danse. Les expositions. Le cinéma, tous les films qu'on joue à Paris cette semaine. Les films sont classés par genre, aventure, western, etc. Par genre? Parce qu'en France, même les films sont masculins ou féminins. Oh, mais ne fais pas l'idiot. Ne fais pas l'idiot, ne sois pas stupide. Ici, c'est Mireille qui fait l'idiote. Et Marie-Laure n'aime pas ça. Hé, hey, mes boules de gomme! Quelle boule de gomme? Il n'y a pas de boule de gomme ici. Allez, ne fais pas l'idiote, donne-moi mes boules de gomme. Il y a des boules de gomme ici? Pas possible. Allez, sois sérieuse. Vous vous souvenez, Marie-Laure, qui faisait l'avion? Et Monsieur Bello faisait le maçon. Monsieur Bello n'est pas vraiment maçon, mais il fait le maçon. Robert n'est pas vraiment idiot, mais il fait l'idiot. Oh, mais ne fais pas l'idiot, je veux dire qu'ils sont classés par films d'aventure. Il y a tout un tas de genres, les westerns, comédies dramatiques, les drames psychologiques, les comédies musicales, érotiques, dessins animés. Qu'est-ce que tu vois d'intéressant? Qu'est-ce que tu vois d'intéressant? Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Tu vois quelque chose d'intéressant? Tu vois quelque chose de bien? Moi, j'aimerais quelque chose d'amusant. Quelque chose de bien, quelque chose d'amusant. Quelque chose d'intéressant, rien d'intéressant. Vous vous rappelez, les oncles d'Hubert qui s'occupent de l'entreprise de construction, ils ne font rien d'intéressant. Ils ne font rien de bien fascinant. Quelque chose de bien? Qu'est-ce que tu vois de bien? Quoi d'autre? Il n'y a rien de bien. Qu'est-ce que tu vois d'intéressant? Mireille propose un film japonais. Comment est ton japonais? Un peu rouillé. Le japonais de Robert est un peu rouillé. Pas très bon, pas très fonctionnel. De la rouille. Voilà, une grille rouillée. Une pompe rouillée. Une armure rouillée. Rouillée, hein, en mauvais état. Remarquez que si le japonais de Robert est rouillé, ce n'est pas grave, parce qu'il y a toujours des sous-titres pour les films en version originale. Mireille propose d'autres films étrangers en version originale. Détachement féminin rouge, version originale chinoise. Le grand silence yougoslave. Écoute, sois sérieuse, il faut que je puisse comprendre. Sois sérieuse. Mireille n'est pas sérieuse. Elle s'amuse, elle plaisante. Elle propose ses films en langue étrangère pour rire, par plaisanterie. Ce n'est pas sérieux. Regardez Marie-Laure ici. Elle est sérieuse. Mais ici, elle fait l'idiote. Elle n'est pas sérieuse. Regardez Marie-Laure ici. Elle s'est fait mal au doigt. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas sérieux. Maintenant, regardez Marie-Laure ici. Elle dit qu'elle a mal partout. Mais Mireille pense que ce n'est pas sérieux. Mireille ne la prend pas au sérieux. Oh, j'ai mal au cou. J'ai mal aux doigts. J'ai mal aux jambes. Oh là là, mais ça a l'air très grave. Marie-Laure fait un peu d'anglais à l'école, mais ce n'est pas très sérieux. Je fais de l'anglais, mais ce n'est pas sérieux. On apprend « Why do you do? I'm very well, thank you. » C'est tout. Et ici, vous vous rappelez? Mireille s'amuse, elle n'est pas sérieuse. Allez, ne fais pas l'idiote, donne-moi mes boules de gomme. Il y a des boules de gomme ici? Pas possible. Allez, sois sérieuse. Mais je suis sérieuse, je n'ai pas vu de boules de gomme. Sois sérieuse, il faut que je puisse comprendre. Sois sérieuse. Soit, c'est l'impératif du verbe être. Vous vous rappelez, Hubert? Soyez sûr, cher monsieur. Soyez sûr que je partage entièrement votre opinion, cher monsieur. Sois sérieuse, il faut que je puisse comprendre. Observez.
Je ne peux pas comprendre. Je ne peux pas comprendre le chinois ou le japonais. Ça, c'est l'indication de fait. C'est la réalité existante. Robert ne peut pas comprendre. Il faut que je puisse comprendre. Il faut que je puisse comprendre. Puisse, ça, c'est le subjonctif. Mireille propose un autre film. Mais il est interdit aux personnes âgées de moins de 18 ans. Ah, mais ça va pas, c'est interdit aux moins de 18 ans. C'est interdit. Passage interdit, on ne peut pas passer. Sens interdit, on ne peut pas entrer dans cette rue dans ce sens. Il est interdit de stationner. Pelouse interdite. Affichage interdit, on ne peut pas afficher. Il est interdit de fumer dans cette salle. Tout est interdit. On joue un vieux film d'Éric Rohmer qui s'appelle L'amour l'après-midi. Le titre plaît à Robert. Ça, c'est un beau titre. Ça doit être très instructif. Ça doit être instructif. On doit pouvoir apprendre beaucoup de choses avec ça. Le grand dictionnaire universel Larousse, par exemple, c'est un ouvrage instructif. On peut y apprendre beaucoup de choses. Robert sera peut-être déçu. Il trouvera peut-être le film moins intéressant que ce qu'il imagine. Regardez ce monsieur, il va être déçu. Vous voyez, il est très déçu. Il y en a plus. Lui aussi, il est déçu. Oh, tu sais, j'ai peur que tu sois déçu. C'est un des 6 contes moraux de Éric Rohmer. Ça ne fait rien. Ça doit être très intéressant. Allons voir ça. Ça ne fait rien. Tant pis. Ce n'est pas grave. Ça n'a pas d'importance. Observez. Tu as vu l'heure qu'il est? Il est trop tard pour aller au cinéma. Ça ne fait rien. On ira demain. Un poulet Mireille, s'il vous plaît. Je regrette, madame, il n'en reste plus. Ça ne fait rien. Je prendrai le magret de canard. Écoutez bien la conversation entre Robert et Mireille au sujet de l'amour l'après-midi. Ensuite, vous jouerez le rôle de Robert. Tiens, on passe l'amour l'après-midi au 14 juillet Parnasse. Oh, ça c'est un beau titre. Ça doit être très instructif. Oh, tu sais, j'ai peur que tu sois déçu. C'est un des 6 contes moraux d'Éric Rohmer. Ça ne fait rien. Ça doit être très intéressant. Allons voir ça. Maintenant, à vous. Vous êtes Robert. Tiens, on passe l'amour l'après-midi au 14 juillet Parnasse. Oh, ça c'est un beau titre. Ça doit être très instructif. Oh, ça c'est un beau titre. Ça doit être très instructif. Oh, ça c'est un beau titre. Ça doit être très instructif. Oh, tu sais, j'ai peur que tu sois déçu. C'est un des 6 contes moraux d'Éric Rohmer. Ça ne fait rien. Ça doit être très intéressant. Allons voir ça. Ça ne fait rien. Ça doit être très intéressant. Allons voir ça. Ça ne fait rien. Ça doit être très intéressant. Allons voir ça. Bon, tu veux qu'on y aille? Oui. D'accord. Alors rendez-vous à 13h30 à la terrasse de la Rotonde. C'est juste à côté. Le cinéma est juste à côté de la Rotonde. C'est tout près. Pendant que Robert descend, la lumière s'éteint automatiquement. C'est la minuterie, un mécanisme pour économiser l'électricité. En France, on aime les économies. Lui, non, il n'aime pas les économies. Il dépense. Mais Marie-Laure fait des économies. Elle économise son argent. Voyons maintenant ce que vous pouvez dire. Écoutez, regardez, réfléchissez et parlez. Si vous dormez mal, qu'est-ce qu'il vaut mieux prendre avant de vous coucher? Du thé, du café ou une infusion? Une infusion. Oui, une infusion. Où est Marie-Laure? Au lit. Au lit, c'est ça. Votre fille va se coucher. Qu'est-ce que vous lui dites? Vous lui dites... Bonsoir, ma grande. Dors bien. Madame Bellot va se coucher. Qu'est-ce que vous lui dites? Vous dites... Dormez bien. Il se fait tard. Vous partez. Qu'est-ce que vous dites? Vous dites... Il faut que je me sauve. Vous partez. Vous voulez parler à Mireille demain. Qu'est-ce que vous dites? Vous dites... Alors, on se téléphone? Mireille veut parler à Guylaine, qui est en Angleterre. Qu'est-ce qu'elle fait?
Elle l'appelle? Elle lui téléphone. Elle l'appelle, elle lui téléphone, c'est ça. Robert est très déçu parce qu'il est trop tard pour aller au cinéma ce soir. Qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce que vous lui dites? Tu veux qu'on y aille demain? On passe un film étranger en version originale. Qu'est-ce qu'il faut avoir pour pouvoir comprendre? Des sous-titres. Des sous-titres, oui. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas fumer dans cette salle? C'est interdit. C'est interdit. D'après vous, le grand dictionnaire Larousse, c'est un ouvrage amusant ou instructif? Plutôt instructif. Vous êtes fatigué, la conversation vous ennuie, vous en avez assez, qu'est-ce que vous dites? Regardez, monsieur Guignol. Ouh, vous avez vu l'heure qu'il est? Eh bien, je crois que je ferais bien d'aller me coucher. Excusez-moi, mais j'ai pris l'habitude de me coucher tôt. Il faut que j'aille chercher mon lit. Bon, voilà. Allez, bonsoir. Bonne nuit. Dormez bien. Qu'est-ce que c'est que ça? Monsieur Guignol qui dort dans ma salle à manger? Mais il est fou, ce monsieur Guignol. Je ne suis pas fou. J'économise l'énergie.